Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie. Bonjour à vous Olivier. Bonjour Pierre. Et bonjour à notre invité Marc et Gabriel Draghi. Bonjour messieurs, merci pour votre invitation. Marie-Gabrielle, vous êtes juriste, spécialiste dans l'histoire du droit. On va parler aujourd'hui avec vous de cet ouvrage, La grande narration vers la mort des nations. C'est un peu le tome numéro 2 de cet ouvrage qu'on avait vu ensemble avec vous il y a quelques mois, Le grand reset en marche. Commençons tout de suite avec la première question. Marie-Gabrielle, vous dites que les banques centrales veulent imposer au peuple un système d'asservissement financier mondialisé. C'est ce que Klaus Schwab, le président du Forum de Davos, appelle la grande réinitialisation. Où voyez-vous, Marie-Gabrielle Draghi, les prémices de cet asservissement aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire, on le constate jour après jour avec l'effondrement de notre économie, des faillites d'entreprises qui augmentent, une inflation qui commence à galoper. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas dans les mois à venir vers une hyperinflation, c'est-à-dire une inflation à deux chiffres et qui dépasse 20-30%. Donc moi je l'avais annoncé dès 2020 à l'occasion de la crise sanitaire ou de la crise des mesures sanitaires et des politiques des banques centrales du quoi qu'il en coûte. En fait, l'effondrement, il est croissant. On le voit aussi parce que le mois de mars qui vient de passer, on a vu une recrudescence des tensions, que ce soit dans le monde du travail ou même des ménages qui ont du mal à finir les mois, tout simplement. Et là, on est rentré complètement dans l'application du programme de la grande réinitialisation. Alors justement, le livre s'appelle « La grande narration », ça fait écho au deuxième livre de Schwab qui s'appelle « Le grand récit », qui est la suite de sa grande réinitialisation. Donc j'ai copié ce mode de… – Le titre seulement !– Le titre, et je l'ai modifié un petit peu pour que ça aille avec mon sous-titre. Mais c'est pour dire que là, on a passé… les deux premiers chapitres, qui étaient la crise sanitaire, et le deuxième chapitre, la guerre, c'est-à-dire les prémices d'une guerre mondiale annoncée. Et on le constate encore une fois, les narratifs imposés par l'hyperclasse et par nos gouvernements sont en train de s'user très rapidement, en particulier le deuxième où la guerre en Ukraine, même si elle occupe les plateaux télé, on voit que ça prend pas du tout dans la population, qu'on constate que certains cadeaux faits à l'Ukraine dans le cadre de la militarisation de sa défense préoccupent la population et renforcent la colère, puisqu'on demande d'un côté à la population de se priver sur certaines choses, certains acquis sociaux, et de l'autre côté on finance des pays étrangers, même le Brésil pour sauvegarder l'Amazonie, l'Afrique pour telle et telle raison. Donc ce que je voulais dire, c'est que la grande réinitialisation est en train de s'essouffler. Cependant, on est en train d'entrer dans le cœur du programme politique, puisque au mois de mars, ça commence à arriver à nos oreilles. Il semblerait qu'il y ait les prémices d'un ouragan financier ou d'un cataclysme financier avec les paniques bancaires. La vague de panique bancaire, d'abord aux États-Unis, puis en Europe avec Crédit Suisse et maintenant Deutsche Bank. Donc on peut constater que la grande réinitialisation, c'est surtout la grande réinitialisation de l'économie et par l'économie des sociétés. Et comme les narratifs sont usés, je pense que là, en cette année 2023, on va rentrer concrètement dans ce fameux ouragan qui pourrait nous ramener définitivement vers le monde d'après. – Une crise bancaire qu'annonçaient plusieurs dirigeants de banques, notamment américaines, Jamie Dimon de la JP Morgan Chase disait « cet ouragan est là, il vient vers nous », ou encore Charles Scharf de la Wells Fargo disait « nous attendons à ce que les consommateurs et les entreprises s'affaiblissent, c'est ce qui fait partie des objectifs de la Fed ». En fait, c'est assez simple. On est sur politique et économie. Ça fait des années que vous, Monsieur Pichon, Pierre Jovanovic, vous décrivez le système. En fait, la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale hégémonique pour l'instant, puisque c'est la banque centrale de l'économie, la numéro un mondiale, en tout cas pour l'instant, officielle. Peut-être plus pour très longtemps. Elle a deux choix. Soit elle continue son resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire des hausses des taux, et on se dirige vers une
une crise bancaire, c'est-à-dire en fait les banques sont en faillite. Vous avez reçu Jean-Pierre Chevalier maintes et maintes fois qui a expliqué, qui a démontré pourquoi les banques étaient en faillite et que leur bilan était totalement frauduleux et était une escroquerie. Là maintenant, on arrive dans le livre, je l'explique, c'est le chapitre « Devant nous se dresse la bête ». On est devant, il y a deux possibilités, soit les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire, donc elle provoque une contraction monétaire, donc les banques font faillite, voilà. Ouais. Ou soit, a priori, c'est ce qu'elle tend à privilégier, elle renfloue encore une fois les banques, ce qui a été le cas avec SVB, voilà. Signature Bank. Et la liquidité qui leur est apportée vient souvent de l'État fédéral, ne vient même pas de la Fed, comme vous le signalez. Oui, oui. C'est que l'État fédéral est obligé d'emprunter pour renflouer les banques, mais dans tous les cas, c'est le retour au quantitative easing. C'est privatiser les profits, socialiser les pertes. Et on continue les politiques de surliquidité. Et ça conduit à aggraver l'inflation. Donc voilà. Là, je parlais déjà d'une inflation qui commence à être problématique, voire très problématique. Et si elles font le choix de sauver les banques, puisqu'en fait, on est dans un gouvernement des banquiers depuis le too big to fail, depuis 2008, on n'a pas changé de période historique, on est dans cette continuité. Et là, la Fed a deux possibilités et a priori, elle semble avoir fait le choix d'aller vers l'hyperinflation. Donc on va en parler après. En fait, l'hyperinflation permettra d'imposer autre chose, un autre outil politique, c'est un outil politique. Donc vous allez nous parler. Les monnaies numériques programmables. Mais quand même, il y a une énorme contradiction, parce que d'un côté, on veut augmenter les taux pour lutter contre l'inflation, et de l'autre, on augmente la liquidité pour sauver les banques. C'est explosif comme contradiction. C'est du théâtre. On a la chance en France d'avoir des grands acteurs, notamment Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, explique que l'économie russe va s'effondrer un an après. On constate que c'est notre économie qui s'effondre. Emmanuel Macron, Olivier Véran qui font des annonces qui, à chaque fois, vont à rebours de la réalité. Donc, je pense tout ça que les politiques des banques centrales, il y a un projet qui est celui de la grande réinitialisation et il y a un jeu, des narratifs qui font croire aux populations que les banquiers centraux maîtrisent l'économie dans un premier temps, ce qui n'est pas totalement faux, et surtout font tout pour préserver et protéger les populations. Janet Yellen, il y a quelques jours, avait annoncé que le système bancaire était solide, sur des bases solides. Emmanuel Macron l'a dit aussi à l'occasion du Conseil européen. Monsieur Villeroy-Gallo l'a dit aussi. Monsieur Villeroy, voilà. Et on s'aperçoit, déjà, Janet Yellen a fait supprimer cette déclaration il y a quelques jours. Ah oui. Donc on s'aperçoit que le système n'est peut-être pas si solide que ça. Et Bruno Le Maire avait dit à une journaliste qui lui posait la question, est-ce qu'il y avait un risque de contagion, le fameux calm down, et en fait on voit qu'il y a eu concrètement un risque de contagion en Europe, puisque ça a été Crédit Suisse dans un premier temps, ça va être Deutsche Bank, et ça va être en réalité tout le système bancaire européen, ce sera Société Générale demain. – Société Générale et Commerzbank. – Et Commerzbank, oui. Encore plus d'ailleurs Commerzbank que Société Générale, donc on voit qu'en fait c'est un effet domino, et le chapitre 3 du grand récit choix bien, et donc de l'application de la grande réinitialisation, c'est la crise financière, et c'est le chapitre principal, parce que nous ne pourrons que y souscrire, à part si on apporte des solutions éventuelles. Voilà. – Alors, ces crises bancaires qui se profilent devant nous vont accoucher en quelque sorte de plusieurs crises, des crises énergétiques et des crises alimentaires. On va l'évoquer après cette question, puisque voilà, le titre de votre ouvrage, Marc-Gabriel Draghi, j'aimerais qu'on y revienne, c'est « La grande narration vers la mort des nations ». Donc cette grande réinitialisation, dites-vous, veut s'en prendre principalement à notre pays, la France. Pourquoi tant d'acharnement contre ce pays en particulier ? Il y a plus de multiples raisons. Après, je vais me concentrer sur les raisons les plus flagrantes. La France est, depuis 1945, une bug dans la matrice. Vous savez que on bénéficie d'un siège. C'est une bonne image, excellente image. En plus, la matrice, c'est ce qui nous attend. Donc voilà. Et on bénéficie d'un siège à l'ONU qui a été glané de manière un peu miraculeuse par le général de Gaulle. Et on dispose encore, on l'espère, d'une capacité de dissuasion nucléaire. Voilà. C'est pour moi ce qui permet à la France de garder un rang correct. De puissance mondiale. De relative puissance mondiale. Maintenant, depuis qu'on a Emmanuel Macron à la tête de l'État, on pourrait en discuter. Mais ce qui fait que nous n'avons pas été totalement rétrogradés dans le rang des nations, c'est ces deux choses-là. Emmanuel Macron, il a été élu depuis 2017.
pour liquider. C'est un liquidateur. On peut mettre Alexis Kohler aussi derrière lui, puisqu'on s'aperçoit qu'Alexis Kohler, dans toutes les opérations de liquidation, Alstom, EDF... Technip, Lafarge, Essilor... Essilor, et nos autoroutes, on apprend qu'en fait, les bradages des autoroutes et le renouvellement des concessions, derrière, il y avait Alexis Kohler. Le tandem Macron-Kohler, c'est... Il y a un métier de liquidateur judiciaire qui existe. Eux, c'est, ce sont des liquidateurs nationaux. C'est-à-dire, liquidateur de la souveraineté française. Liquidateur de la souveraineté française totale, c'est-à-dire nous n'avons presque déjà plus les mains liées, enfin les mains libres, mais là on aura, ils sont en train aussi de liquider nos infrastructures. On y reviendra peut-être un peu si on parle de Veolia ou Kohler. Absolument. Alors vous parlez de bug, mais il y a un aspect du bug qui se manifeste sous la forme d'une crise sociale malgré tout. Ça veut dire aussi que cette liquidation n'est pas accepté par tout le monde. Et que derrière l'âge de la retraite, derrière la lutte contre la réforme des retraites, eh bien, il y a la somme de toutes ces choses que, confusément, le peuple ressent et que les syndicats ne sont pas capables d'exprimer, d'ailleurs, se focalisant uniquement sur la question de la retraite. Mais en fait, c'est ça, c'est derrière tout ça. – Vous avez tout dit. En fait, la contestation anti-réforme des retraites, c'est un prétexte. On voit qu'il y a une colère qui date en grande partie des Gilets jaunes, et cette colère, elle est en train de se matérialiser, elle se cristallise autour de la personnalité de Macron. Le 49-3 Elisabeth Borne, c'est derrière la personnalité de Macron qu'on voit que les gens ont pris conscience qu'il y avait un gouvernement qui, sous l'injonction de BlackRock et de la Commission de l'Union européenne, on pourrait les lier, parce qu'en fait, la Commission européenne, est conseillée par BlackRock. Et un peu de dose de McKinsey, quand même. Et évidemment, tout l'apanage des sociétés liées au Forum économique mondial, McKinsey et consorts. Et BlackRock a demandé à Emmanuel Macron de réactiver la réforme des retraites, qui était d'ailleurs le premier chapitre du Grand Reset en marche, pour montrer que c'était une injonction des marchés. Alain Mac l'a très bien dit, d'ailleurs. Et on voit que là, le peuple français affiche une résistance. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait, dans notre histoire nationale, le mythe de la résistance, c'est ce qui nous a permis d'acquérir le siège au Conseil de sécurité et après l'épopée gaullienne, c'est-à-dire qui a restructuré la France autour de grandes infrastructures. Et là, justement, les grandes infrastructures, c'est ce qui doit être liquidé, puisque c'est ce qui fait notre particularité. Si les gens qui ont la chance de voyager s'apercevront qu'en France, on a des routes, des très bonnes routes, des réseaux, des réseaux énergétiques, même si le parc nucléaire a été liquidé notamment. On peut citer Anne Lauvergeon, qui avait été conseillée par Rothschild & Co dans l'affaire Uramine, vous savez, du rachat d'Uramine, et qui avait permis la liquidation d'Areva et qui est maintenant a des répercussions sur EDF. Voilà. Et en France, on avait plein d'atouts qui pouvaient nous permettre de résister en tant que nation et en tant que puissance. Même si on n'avait pas de pétrole ni de gaz, on avait des idées à l'époque et ça nous permettait de résister assez bien dans un contexte de mondialisation forcenée. Pardon de faire un petit rappel historique, mais il n'est pas connu. On sait que De Gaulle est allé en URSS et il a posé la question, exactement celle-là, aux dirigeants communistes. Si les anglo-saxons refusent de reconnaître la France et la résistance, est-ce que vous accepterez de reconnaître la France et la résistance pour assurer l'avenir de la France après 1945? C'est une question qui n'est jamais évoquée dans les manuels. Jamais. C'est pour ça que les communistes se sont retrouvés au CNR à la sortie de la guerre. – Bien sûr, en bonne logique. Mais il s'agissait, non pas d'être favorable aux communistes, il s'agissait surtout d'échapper déjà aux anglo-saxons. Alors, pardon, Pierre, je vous ai interrompu. On l'a compris, exactement, on l'a compris depuis quelques semaines avec nos intervenants, et vous venez de le rappeler, Marc et Gabriel Draghi, la crise énergétique que les Français sont en train de subir est la conséquence d'une liquidation de notre parc nucléaire. Et vous dites qu'elle peut accoucher, cette liquidation, d'une restructuration verte. Et on a vu d'ailleurs que la Commission européenne vient de dire que le nucléaire ne ferait pas partie des énergies renouvelables et que donc la France ne pourrait pas bénéficier des subventions communautaires. Alors cette restructuration verte, qu'est-ce qui nous attend ?
C'est, ça fait partie. C'est, mon livre, le titre du livre, c'est La Grande Narration, et celui de Schwab aussi, c'est Le Grand Récit. En fait, on est dans une période, vous l'avez dit en introduction, que je décris dans le livre, nos élites sont alchimiques. C'est-à-dire, elles nous présentent une réalité qui n'en est pas une, et elle nous impose un récit qui est souvent l'inverse de la réalité. Pour traduire ce que je viens de dire, mais ils nous présentent le plomb et c'est l'or en question. C'est ça. Mais... l'alchimie, ça va au-delà de la transmutation des métaux, mais c'est ça. Quand on nous présente de la richesse, c'est pour la pauvreté, c'est-à-dire vous faites ça, rejoignez l'Union européenne, vous serez prospère. Ce sera le dialogue entre nations. Il y aura pas de chômage, on deviendra la première zone économique du monde, et en réalité on s'aperçoit que l'Union européenne c'est la misère généralisée pour toutes les nations et même la disparition des nations. Et l'alchimie c'est ça, c'est la perpétuation du grand œuvre. C'est pour ça que d'ailleurs Schwab utilise le grand récit, la grande réinitialisation, oui, la grande bascule. C'est qu'en réalité c'est un principe de matérialisation du spirituel et de spiritualisation du matériel, c'est-à-dire imposer un ordre inversé qui vise à l'asservissement du plus grand nombre. Pour faire très simple, après les gens comprendront à quoi je veux faire référence, mais pour répondre à votre question, là, l'effondrement de nos sociétés et de nos nations, on doit nous le vendre. Donc les éléments marketing ou les éléments de langage à la McKinsey, c'est le grand récit vert. On doit nous dire Green New Deal, on va faire une nouvelle donne verte, une nouvelle croissance verte. Donc on nous dit, on a surconsommé, mais qui a surconsommé? Qui gaspille les ressources? Est-ce que ce sont vraiment les économies nationales ou c'est le marché mondialisé avec des firmes nomades et apatrides qui vont dans un pays, qui prennent une source, une ressource qui extirpe le jus le plus possible et après la laisse comme un cadavre. Donc en réalité, c'est le système économique qui conduit à l'exploitation des ressources au-delà de ce qu'on devrait faire et au gaspillage, parce qu'en fait, on le voit tous, le système en plus gaspille. Là, nos politiques ont un intérêt, c'est de nous imposer ce grand récit vert à travers les subventions et la promotion d'énergie inefficiente, l'éolien, le panneau photovoltaïque, pour nous imposer un système de décroissance et donc d'effondrement et même à terme de décarbonation dans le sens qui est le carbone? C'est vous et moi. Depuis la crise covidienne, on voit que les gens font moins d'enfants puisqu'en fait l'agenda de la peur est déroulé d'année en année. Donc à terme, la décroissance, ça vise aussi de manière factuelle et concrète à faire que nos nations disparaîtront par moins de population, en réalité. Et ça sera une réduction carbone. C'est ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient l'oliganthropie, le petit nombre des hommes, qui fait qu'ils ont été absorbés par les Romains parce qu'ils ne faisaient plus d'enfants. Vous parlez même à propos de cette grande réinitialisation. Merci, Pierre, heureusement que vous êtes là. Verte, vous parlez d'hystérie verte. Clairement. Alors, on le voit. Bon, d'ailleurs, ils sont en train. C'est là qu'il y a quand même de l'espoir, parce qu'on voit que les narratifs ne sont pas bien acceptés par les populations. La Commission européenne avait voulu, vous savez, interdire les moteurs thermiques à l'horizon 2035, il me semble. Oui. Et là, on voit qu'en fait, dans une phase d'effondrement, les Allemands ont dit on va certainement pas faire ça, puisqu'en fait, en industrie, les moteurs thermiques pour l'Allemagne, c'est le cœur de leur économie. Ouais. Donc, on voit. Et ils sont suivis. L'Allemagne est suivie par une demi-douzaine de pays européens. Et ce qui paraît logique. Parce qu'en réalité, derrière ce projet d'abandonner les moteurs thermiques, en réalité, c'est d'abandonner la voiture individuelle pour imposer les fameux smart cities. Alors, je ne vais pas en parler parce que ça pourrait faire l'objet d'une émission en elle-même. Contrôle des populations. Voilà, absolument, qui est déjà exercé par les petites étiquettes qu'on met sur le pare-brise de la voiture. Exactement. Mais évidemment, le contrôle des populations, il est encore plus facile quand il y a des transports en commun. Quand les gens n'ont pas la possibilité de se déplacer de manière libre. Et derrière, il y a une hausse de l'essence. Par exemple, on voit que le prix du baril de pétrole a fortement diminué. Il est tombé en dessous de $75. Et pourtant, à la pompe en France, il restait à 2 euros. Donc on voit qu'on est dans du narratif complet qui vise à nous faire payer un changement de société qui vise in fine au contrôle des populations. Et un changement qui passera également, vous l'évoquez, par une bataille de l'eau que vous qualifiez de deal de ce début de décennie pour les banques d'affaires. Alors très vite, on l'a constaté à l'occasion de l'année 2020, il y a eu, on en,
La presse spécialisée en a parlé, mais il y a eu l'absorption, enfin la fusion entre Veolia et Suez. Et derrière, un consortium Meridiam qui a repris un certain nombre des activités. Mais ça, dans mon livre, je l'explique. Alors, je cite qui sont les acteurs, donc notamment Alexis Kohler. On nous le présente comme la volonté de faire un numéro 1 mondial. Pour faire un grand groupe de l'assainissement, de l'eau potable et des déchets. Ouais. Alors qu'en réalité, on voit que Veolia a liquidé une partie des activités de Suez qui était un concurrent national. C'est-à-dire, en fait, pour les collectivités territoriales, en général, il y en a un peu plus. Mais il y avait deux grands acteurs qui se faisaient concurrence. Donc dans un monde où normalement la concurrence est saine, là, on a carrément liquidé un concurrent pour imposer un oligopole de l'eau potable, de l'assainissement et des déchets. Et en fait, ça, concrètement, j'ai évoqué les Smart City, c'est très important parce que derrière cette fusion-acquisition, on retrouve Rothschild & Co, Lazard, alors dans les camps opposés, vous en avez qui travaillent pour Veolia, d'autres qui travaillent pour Suez, mais vous retrouvez JP Morgan, vous retrouvez Morgan Stanley, et tous les cabinets de les cabinets d'affaires de tous banques, les intermédiaires qui avaient financé la campagne de qui on sait il y a quelques années. Tout à fait, et en fait, il faut comprendre qu'en France, la liquidation de nos infrastructures bénéficie à des firmes et des entités qui ont pignon sur rue en France et qui ne sont même pas forcément que de la finance américaine. Il y a deux, Lazard et frères et Rothschild & Co, sont depuis des décennies à la tête de firmes qui organisent la liquidation de pays. J'ai pris Areva et l'opération Uramine qui avait été soufflée à Anne Lauvergeon, c'était clairement un document de chez Rothschild qui a surévalué la mine d'uranium en question. C'est ça. Donc il y avait pas une teneur extrêmement faible qui n'était pas du tout rentable et qui a fait à Areva d'engager des milliards qui après a permis le démantèlement futur de notre ancien numéro 1 mondial nucléaire. Est-ce qu'il va de pair avec cette bataille de l'eau? Vous dites qu'à partir de 2023, les gouvernements, les ONG vont s'attaquer à notre système de production alimentaire. Alors comment tout ce petit monde va s'y prendre? Alors là, je pense, Pierre, qu'on avait fait une émission ensemble. Je pense que c'est déjà fait. Là, tout simplement, avec la crise énergétique, notamment électrique et de gaz, pour chauffer le gaz, on peut prendre un exemple. La société Cofigeo s'est mise en arrêt temporaire d'activité pendant la période hivernale. Donc, pour prendre vraiment un exemple concret, une société qui fabriquait des boîtes de conserve, de raviolis, de cassoulet, ou ce que vous voulez. Donc, forcément, avec une réduction d'activité, vous allez vous retrouver avec moins de biens sur le marché, une hyperinflation. L'hyperinflation est due en grande partie par la dépréciation de la monnaie, vous avez évoqué les politiques de surliquidité, et en plus couplée à la crise énergétique qui fait que bah justement les sociétés soit produisent moins ou soit augmentent leurs coûts de production puisque l'énergie est plus forte. Il faut stériliser les boîtes de conserve. Exactement. Donc là, on va voir, là, à l'hiver 2023, on nous a fait un peu peur avec les coupures d'électricité, ce qui était, je pense, qu'il y avait un élément de fond qui était véritable, sauf qu'on a eu un hiver doux. Depuis, ça fait quelques hivers que les hivers sont relativement très doux. La nature vient en secours des mondialistes. C'est ça. Mais, attention, la nature, c'est aussi, ce printemps, théoriquement, un manque d'eau. Donc... Mais c'est pour ça. Bon, après, il y a plein de questions qui se superposent. Mais le manque d'eau, on voit Sainte-Soline qui fait l'actualité. Il y a aussi toute une politique étatique où il y a un manque d'investissement, un manque de politique publique qui empêche de soit préserver nos ressources naturelles ou soit de les préserver de la prédation de grandes firmes. De grandes firmes du privé. Et donc, vous les citez, Unilever, Danone, Nestlé, Coca, Pepsi, Mars, Kellogg's, toutes ces entreprises qui sont engagées dans cet agenda vert. Et qui ont en plus des propriétaires communs, qui sont BlackRock, Vanguard. Donc en fait, dans chaque problématique, on retrouve toujours les mêmes acteurs, que ce soit la politique monétaire, les crises financières ou les crises agroalimentaires, on retrouve, ou énergétiques, on retrouve toujours les mêmes. Et on nous a dit, la mondialisation, c'est la concurrence, et en fait, on se trouve sur un phénomène de monopolistique, ultra-monopolistique. On a jamais vu un monopole aussi grand dans l'histoire. La crise du Covid, c'est la plus grande concentration financière de l'histoire.
C'est-à-dire par le quoi qu'il en coûte. Les gens pensent que parce qu'on imprime de la monnaie, en fait, les politiques de surliquidité, l'argent financier, ce qu'on peut caractériser d'argent financier, ça bénéficie surtout, on l'a vu avec les fortunes qui ont doublé ou triplé de Bernard Arnault, de ça, ça bénéficie surtout aux grands groupes financiers. Le petit peuple, lui, il pâtit de la création monétaire décuplée, puisqu'en réalité, ça crée de l'inflation. Et à travers la plus grande concentration de richesse de l'histoire, c'est exactement ce que vous avez dit, on voit qu'il y a en plus une concentration des acteurs. C'est-à-dire Vanguard, BlackRock. BlackRock a dépassé les 10 000 milliards de gestion d'actifs. Et on voit que ça continue à progresser. Et ils sont présents dans tous les secteurs de l'économie. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire Larry Fink est devenu la main invisible du marché. C'est la main visible du marché. Et on le voit avec la crise de SVB. Larry Fink, tout de suite, a réagi à la vague de panique bancaire des petites et moyennes banques, qui sont en fait une opération de concentration pour prendre l'argent des petites et moyennes et les redonner aux big banks de Wall Street. Ben voilà. Et Larry Fink a tout de suite remuer le couteau dans la plaie en expliquant, attention, donc une lettre qui est à l'attention des investisseurs de BlackRock, qu'il fallait faire attention parce qu'on rentrait dans une vague successive de panique bancaire. Donc vous voyez qu'il y a, dans le narratif, il y a aussi une volonté d'attiser certaines choses. Et d'un côté, il y a le pompier pyromane, d'un côté, Janet Yellen, dans une audition parlementaire, à demi-mot, reconnaît que seuls les dépôts dans les grandes banques sont garanties. Donc elle provoque presque les bank runs dans les petites et les moyennes banques. Elle provoque, et d'un côté, en fait, on dit vous ne serez en sécurité que dans les grandes banques. Donc il y a une volonté oligarchique qui vise à liquider, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, vous m'avez permis de le dire, il y a une volonté oligarchique de liquider les petits et les moyens. Là, on va dire sur la phase 2020-2025, on va sur une liquidation totale de l'activité indépendante et des petites et moyennes structures. – Alors, en évoquant Janet Yellen, Marie-Gabrielle Draghi, vous faites le lien avec la question qui vient, Janet Yellen, qui est l'ancienne présidente de la Fed. – Et secrétaire d'État. – Et secrétaire aujourd'hui au Trésor, sous Monsieur Biden. Certaines banques centrales travaillent, dites-vous, on le sait depuis quelques mois maintenant, à la création de monnaies numériques. Donc, c'est les banques centrales qui créent leur propre monnaie numérique, pas comme le Bitcoin qui a été créé par des entités privées. Pourquoi dites-vous qu'elle représente un danger contre les peuples, ces monnaies numériques de banque centrale ? Parce qu'en fait, ce sera l'asservissement total. J'ai employé le terme alchimique. Donc M. Pichon a très bien relevé. L'alchimie, c'est la transmutation des métaux, donc de faire du plomb en or. Et là, les banques centrales y sont déjà parvenues puisqu'elles ont fait de l'or et de l'argent, elles l'ont transformé en papier que nous avons accepté. Et donc là, on va passer du papier au néant. Et le néant ou au code binaire. Voilà, au 0-1. Et ça sera l'asservissement total puisqu'en fait, on va nous imposer des monnaies numériques programmables qui, a priori, pourraient intervenir dès cette année puisqu'il y a une vidéo de Christine Lagarde dont on ne sait pas d'où, mais ça a l'air assez crédible, qui nous annonce, et en plus, il y a des documents de la Banque Centrale Européenne qui nous annonce un déploiement dès octobre-novembre 2023. On parle beaucoup de chèques alimentaires, de chèques inflation. Pour les ménages modestes, il n'est pas impossible que la Banque centrale dise, au lieu de vous envoyer des chèques, des impôts par courrier, on va vous ouvrir un compte d'euros numériques et on vous donnera, je vous dis n'importe quoi, 40 euros pour acheter les couches de bébé. Et comme c'est de la monnaie numérique programmable, ces euros ne pourront être utilisés que pour les couches de bébé. Voilà. Donc on voit à quoi ça va servir. Et bien sûr, avec une inflation galopante, les gens trouveront que c'est une avancée. C'est-à-dire, en fait, ça perd. Plutôt que d'attendre un mois le chèque bois ou le chèque inflation de Monsieur le maire, là… Le chèque en bois. Oui, ça pourrait être presque un chèque en bois. Quand on touche 50 euros dans un contexte d'hyperinflation, on a du mal à se chauffer, c'est pas loin d'un chèque en bois. Mais on le voit bien, il y a une volonté progressive. Alors, on a fait une émission au mois de novembre sur ce sujet, et l'euro numérique, officiellement, d'après Fabio Panetta, c'était 2026. Ouais. Mais en fait, on voit qu'il va intervenir très certainement avant. Et certainement, quand ils auront officialisé le chapitre 3 de la grande réinitialisation, c'est-à-dire le cataclysme financier, les vagues de panique successives, ça sent un petit peu comme 2008. Mais il faut encore que, comme à l'époque de Lehman Brothers, que les autorités valide dans le récit officiel que nous sommes en crise financière. – Et pour appuyer ce que vous dites, Augustin Carstens, donc qui est le directeur de la BRI, la banque centrale, des banques centrales,
parle de, voilà, sur ces CBDC, donc ces monnaies numériques de banque centrale, il dit la banque centrale aurait un contrôle absolu. À ce titre aussi, la Bank of England, leader en termes de banque, de monnaie numérique de banque centrale, son directeur Tom Mutton, voilà, il dit voilà, pouvoir, il y aura un pouvoir de la banque centrale d'empêcher une activité socialement nuisible. Et d'ailleurs, quand j'ai entendu il y a quelques jours une interview de Christine Lagarde, le seul argument qu'elle a sur le fait qu'on serait tous sous contrôle de son autorité de directrice de banque centrale, elle dit ah mais oui, mais c'est pour contrecarrer le terrorisme. Oui, toujours le terrorisme. Et toujours. La peur. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler le terrorisme, donc on va tous vous mettre sous cloche, quoi. Et en fait, Pierre l'a bien dit, et vous le dites aussi, il s'agit d'un contrôle social avant tout. C'est-à-dire, vous consommez tel ou tel bien, vous subventionnez telle ou telle association, ou même tel parti politique. Exactement. Si ce sont des monnaies numériques discrétionnaires... le contrôle est total. Et puis on pourra vous bloquer. Par exemple, un don à TVL sera bloqué, justement parce qu'elle est programmable. Donc on évitera de subventionner, on va dire, d'aider les médias dissidents ou alternatifs. Donc on se retrouvera dans un totalitarisme numérique. Alors que nos téléspectateurs ne se dispensent pas, pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore cette monnaie numérique, d'aider TVL. Je leur lance cet appel. Et quant au placement, au rôle que jouerait la Russie et la Chine dans ce nouvel ordre mondial que l'on voit se dessiner, on sait que la Chine est engagée et qu'elle utilise déjà du yuan numérique et que la Russie compte faire pareil. Donc, sur le rôle de ces pays opposants aux États-Unis. C'est exactement ça. Bon, alors moi, c'est un peu ma thèse, je sais que je suis un peu attaqué là-dessus, mais concrètement, dans la phase de la grande réinitialisation, on peut constater un basculement des investissements, des flux financiers vers la Chine. Déjà, la Chine a été créée comme atelier du monde par les flux financiers de la City et Wall Street pendant 40 ans. On va dire depuis l'ouverture de l'économie chinoise. Depuis 2020, pour donner un chiffre, depuis 2020, les gestionnaires d'actifs de Wall Street ont la capacité d'ouvrir des filiales 100% détenues par ces sociétés, c'est-à-dire sans investissement de l'État chinois, c'est-à-dire libre. Depuis 2020, on a constaté qu'en 2019, il y avait 16 000 milliards déjà d'investissements en Chine, de la part de ces gestionnaires d'actifs, ça a plus que doublé, voire triplé, depuis en 3 ans. Donc on voit qu'il y a une réorientation stratégique de Wall Street qui n'est pas les États-Unis, c'est ça qu'il faut comprendre, comme à l'époque de Venise où il y a eu des familles capitalistes qui se sont déplacées de la Hollande à l'Angleterre, qui est l'exemple le plus connu. Là, on peut constater, par exemple, que BlackRock a fait des investissements massifs en Chine, et notamment en demandant certaines contreparties sur le numérique, par exemple des gages sur l'anonymisation, et ce qui fait d'ailleurs le jeu du pouvoir chinois. Oui, puisque... Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, ça, avec le fait que, par exemple, la Chambre des représentants a interdit à Apple d'acheter ses microprocesseurs en Chine? En réalité, le cadre national existe encore. C'est-à-dire, il y a toujours des gens à l'intérieur des pays qui ont l'intérêt du pays dans aux États-Unis, par contre. Mais l'oligarchie et l'hyperclasse, que je répète tout le temps, qui est nomade et apatride, elle, alors ça, vous avez donné l'exemple des États-Unis, certains républicains américains ont dénoncé la politique ESG, qui sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui affaiblissait l'économie américaine, qui était en train de l'effondrer au profit de la Chine pour avoir des faveurs personnelles. Ça, c'était un article des Échos du juin 2022. Échos, journal complotiste. Voilà, c'est pas eux qu'on peut accuser de complotisme. Et donc, on voit qu'en effet, il y a des paradoxes. Et c'est pour ça que dans la dernière émission, j'avais dit, il faut sortir de la vision étatique et nationale, puisqu'il y a des rapports de force qui vont au-delà des nations, et justement c'est la mort des nations, c'est qu'en fait les forces qui sont au-dessus de nous, et elles ont des intérêts, et là on voit qu'il y a des intérêts stratégiques de Wall Street qui commencent à se déplacer de manière importante vers la Chine. Ce qui n'enlève pas à certains
politique américain de se battre pour garder tel outil de puissance. Par exemple, moi, dans le livre, j'explique que le complexe militaro-industriel américain existera toujours, même s'il y a un affaiblissement des États-Unis. En fait, le but de la grande réinitialisation, c'est d'en finir avec l'hégémonie mondiale américaine. Mais les États-Unis vont se recroqueviller sur une sphère régionale qui nous inclut, c'est-à-dire nous serons les valets transatlantiques des États-Unis, et de l'autre côté, il y aura le bloc eurasiatique chinois, ou BRICS, qui permettra de coordonner ce nouvel ordre mondial. – Oui, mais il y a, une nouvelle contradiction que je voudrais souligner aussi, c'est que Mme Yellen, justement, Janet Yellen, vient de faire un discours dans lequel elle défend ce qu'elle appelle le « friends shoring », c'est-à-dire la relocalisation chez les copains et surtout chez nous. Hein. Donc, elle fait là quelque chose qui nous rappelle les non-alignés des années 60. Mais on est dans le narratif. Parce que, connaissant les Américains, la crise énergétique, par exemple, sur les sanctions russes, ça a amené à la France d'acheter du gaz liquéfié américain. Oui. Et donc, en fait, ça développe l'industrie gazière aux États-Unis. Mais on est beaucoup dans le narratif. Donc, je relocalise chez moi. Tu délocalises chez moi. De toute façon, la première, oui, et on le voit, là, la crise, pour finir, la crise en Ukraine, ça a été d'abord un objectif d'effondrement de l'Europe de l'Ouest, d'effondrement industriel de l'Europe de l'Ouest, puisqu'en fait, on est dépendant du gaz, du pétrole, et en fait, les Américains, c'est-à-dire Wall Street, a profité des mesures anti-russes pour effondrer prioritairement l'industrie européenne. Et on en voit d'ailleurs les résultats seulement maintenant, et ça va être pire dans quelques mois. Après la pause, nous verrons avec vous, Marc et Gabriel Draghi, que vous proposez de tirer une balle en argent dans le cœur du système. On verra comment ça fonctionne. À tout de suite. On continue avec notre invité Marc-Gabriel Draghi, l'auteur de cet ouvrage passionnant « La grande narration vers la mort des nations ». Est-ce que vous pouvez nous dire, Marc-Gabriel Draghi, si les cracks qui secouent Wall Street comme l'ASVB, comme Signature, on a vu ces établissements en grande difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est systémique ces secousses? C'est clairement systémique, parce que là, bon, déjà, il y a derrière l'épisode SVB et toutes les autres petites banques régionales. Silvergate Bank, Signature Bank, toutes ces banques-là, il y a pour moi quand même des délits d'initiés. On commence à en parler. Il y a une volonté notamment de JP Morgan qui a passé des coups de téléphone pour inciter certains épargnants et déposants à retirer leur argent et créer des paniques bancaires. Dans un premier temps, cette vague de panique bancaire qui a concerné pour la plus grosse, la 14e banque des États-Unis, donc on n'est pas non plus sur le cœur de Wall Street, c'était pour prioritairement prendre l'épargne là où elle se trouve et favoriser les grandes banques. Je crois que je l'ai dit en début d'émission. Mais évidemment qu'elles sont durables, puisque plus le temps passe, plus les banques centrales vont être en face d'une contradiction, comme je l'ai dit, soit sauver le système bancaire et financier qui, quoi qu'il arrive, est zombifié et va mourir. Quoi qu'il arrive, il mourra. Dans quelles conditions et quand? Seuls ceux qui le contrôlent peuvent davantage nous dire comment et quand. Mais face à l'hyperinflation, les banques centrales, vous l'avez dit, elles sont obligées d'entreprendre des actions. Là, je pense que dans le narratif, elles font durer la dépréciation monétaire, c'est-à-dire le fait que la destruction des monnaies, pour nous proposer justement la panacée, le fameux remède alchimique, la panacée des monnaies numériques de banque centrale. Donc c'est durable, puisque on a inauguré ce chapitre-là qui est de la crise bancaire, et je pense que le gros de la crise bancaire arrive en octobre, en septembre-octobre, comme souvent. – Et vous ne pensez pas que ça va arriver avant même ?– Non, parce qu'il est bien, il est bien parti quand même. – Il est bien parti, mais je pense que ça va être, dans un premier temps, d'ailleurs ça pourrait être les banques européennes.
qui commencent à tirer la langue, et dans un second temps, les big banks. Voilà. Mais je pense que ça partira d'Europe cette fois d'ailleurs, parce qu'il y a une volonté de faire partir ça d'Europe. – Vous le disiez un petit peu en première partie, quand on évoquait BlackRock, vous le dites dans votre livre, ce fonds de gestion américain contrôle la Commission européenne, voire même le gouvernement américain lui-même. Pourquoi dites-vous que ce BlackRock et ses grands fonds de gestion, il y a aussi The Vanguard Group, State Street, sont le talon d'Achille de la finance mondialisée? Tout simplement parce que quand vous concentrez un tel pouvoir, le pouvoir financier, il suffit que ces puissances et ces groupes soient mis en lumière pour que le narratif bascule. On a parlé de grande bascule. Vous voyez, là, en France, en ce moment, il y a des grandes tensions et des manifestations. Plutôt qu'aller attaquer des bâtiments publics ou qui sont protégés par la police, si dans le narratif, et on commence à le voir... Xavier Mathieu, par exemple, qui était un ancien syndicaliste, on commence à entendre BlackRock, BlackRock. Donc si les populations commencent à désigner qui est le véritable ennemi et qu'on s'aperçoit que Macron, sans le défendre, est peut-être une marionnette et peut-être quelque chose qui nous est mis devant les yeux, mais qu'en réalité, il y a des puissances qui sont au-dessus. Alors bien sûr, ça c'est complotiste, hein, mais c'est la réalité économique et financière. Donc le fait que BlackRock et Vanguard concentrent une telle puissance, ça nous permet de les désigner comme les véritables responsables de la situation. Derrière BlackRock, il y a aussi d'autres entités, le Forum économique mondial, tout ça, mais en réalité, c'est un consortium, c'est-à-dire une assemblée d'entités qui impose un narratif et un programme politique. Donc, alors, c'est le risque pour eux, c'est d'être désigné et d'être mis en lumière. À ce système financier mondialisé, alchimique, dites-vous, il y a un antidote, c'est la monnaie métal en argent, c'est le minerai. En quoi cette matière pourrait être un antidote à ce que l'on a évoqué tout à l'heure, à savoir ces monnaies numériques de banque centrale? En fait, il faut comprendre, donc, quand je parle d'argent métal, je parle évidemment de l'or aussi. – C'est quelque chose de récurrent dans votre expression. – Parce qu'en fait, c'est… – Vous aimez l'argent. – C'est, voilà. – Le métal. – Mais c'est important aussi d'apporter des solutions. Et en France, déjà, j'ai dit que les deux premiers chapitres de la grande réinitialisation sont en train d'échouer. C'est aussi parce que Schwab le dit dans son livre Le Grand Récit, il n'y a pas eu de contrôle de l'information. Vous faites de l'information. Donc le premier élément de combat, c'est le contrôle de l'information ou la divulgation d'information. Là, on le voit, ils ont échoué à contrôler les narratifs, à contrôler les contre-narratifs. Oui. Le chapitre 3, je vous l'ai dit, c'est la crise financière. Oui. Donc si nous, on ne fait que dénoncer ce qui va peut-être se passer ou ce qui va se passer, on alimente l'agenda de la peur, mais en France, on a cette chance, c'est qu'on a encore des stocks d'or. Donc l'argent métal, il est évidemment couplé à l'or. – Alors justement, quel est le rapport? Parce que traditionnellement, l'or et l'argent, c'était dans un rapport 15-1. – C'est ça. – Est-ce que c'est toujours le même rapport ?– On l'avait dit, fondamentalement oui, c'est entre 1-10 et 1-15, comme vous l'avez dit. Mais ça, on va pas trop rentrer dans les détails, mais pour moi, en fait, ça, c'est justement fictif. C'est Newton qui avait... – Vous voulez dire que le cours de l'or est manipulé? De toute façon, déjà, c'est manipulé par les grandes banques, JP Morgan, qui a orchestré d'ailleurs les facs bancaires. Mais juste pour revenir, pour moi, on doit... Justement, c'est pour ça que je parle c'est possible de se sortir de cette crise, déjà en reprenant notre souveraineté monétaire sans Frexit. Il suffit juste... Vous voyez, là, l'hyperclasse, elle a mis un pantin, et le pantin exécute le plan. Si un jour, on a un employé qui exécute un plan populaire, il n'y a rien de plus facile, il n'y a pas besoin de l'article 50 du traité de l'Union européenne, puisque la souveraineté, ça ne se décrète pas. On est souverain ou on ne l'est pas. Donc, comme Napoléon disait, je suis qu'une griffe, il suffit d'un stylo, j'ai fait du droit, donc je peux vous le dire. Le droit, c'est la force ou la force, c'est le droit. C'est selon comment on veut l'interpréter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de changer la loi sur le cours légal, on en avait parlé, et revenir à une monnaie métallique, argent métal dans un premier temps et or. Bimétallique, donc. Bimétallique. Avec des cours libres. C'est-à-dire, en fait, il y aurait... Bon, là, je vais un peu loin, mais il n'y aurait pas forcément de rapport. C'est-à-dire, à l'inverse du franc germinal, qui faisait un rapport de 1 à 15, on ferait une nouvelle loi sur le cours légal où on peut payer en euros, dans un premier temps, parce qu'en fait, le but, c'est de détruire l'euro. Payer en argent métal et payer en or, ces impôts. Là, en fait, vous rétablissez une loi sur le cours légal et c'est ce qu'on appelle un cours légal libre. Vous pouvez choisir votre monnaie et vous pouvez faire en sorte que votre employeur vous paye, par exemple, en argent métal. En France, on a cette capacité parce qu'il nous reste des stocks
d'or pour l'instant, s'ils n'ont pas encore été liquidés. Au bénéfice de l'Afrique, par exemple. Au bénéfice de la dette perpétuelle africaine, parce qu'on en parle beaucoup. Mais c'est une capacité qu'on a encore actuellement. Et c'est surtout que, vous l'avez dit, on est dans un système alchimique. Donc, réutiliser les stocks d'or et d'argent, c'est faire revenir notre système économique et financier à la réalité. Dans le réel. Ouais. Et oui, en fait, ça, c'est ce qu'ils détestent, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pourquoi vous dites que le cours de l'argent va exploser, parce qu'ils redoutent. Le cours de l'argent, alors c'est toujours pareil, si on n'arrive pas à se libérer, quoi qu'il arrive, les gens disent « oui, bah, c'est bien beau, mais comment on fait pour mettre un employé, ce qui est vrai, qui exécute le plan populaire ?» C'est la grande rêverie. Mais déjà, en fait, vous pouvez vous protéger individuellement, puisque dans la grande réinitialisation, la dette, les montagnes colossales de dettes vont être sauvegardées. Ça paraît un peu bizarre, mais elles vont être sauvegardées puisqu'elles sont la source du pouvoir des grandes banques de BlackRock. Et pour garder ces montagnes de dettes, sans écrouler le système, il faut réévaluer le prix de la vraie monnaie, qui est le prix de l'or, et après l'argent métal. L'or, il est à peu près à 2 000 $ l'once en ce moment. Mm-hmm. Il y a une étude de Gainesville Research, qui est un fonds qui vend des monnaies métalliques, or et argent, aux États-Unis, qui estime, alors avec des graphiques et une étude historique, qu'en réalité, vous savez que le cours, vous en avez parlé, le cours de l'or et de l'argent sont manipulés. Ça, c'est du récit officiel. C'est-à-dire, vous tapez JP Morgan, manipulation, Goldman Sachs, manipulation mm-hmm. du cours et de l'or et de l'argent. C'est manipulé. En fait, on arrive à la fin de cette manipulation. C'est pour ça que j'invite les gens à acheter de l'or et de l'argent métal. Certains physiques et en pièces, pas forcément en lingots, les gens me disent « mais non, c'est pas possible. La première pièce d'or actuellement, elle est à 60-70 euros. » La Royal Canada Mint, avec, vous savez, la feuille d'érable, vous arrivez, c'est accessible, c'est de l'or. Et l'argent, c'est encore plus accessible, c'est 5-10 oui, euros. Mais on vous dira toujours « mais je vais pas payer mon boulanger avec une pièce d'or. » Oui, mais avec une pièce d'argent, c'est possible. Alors, en fait, là, c'est là où on a vu qu'il y a un opposant actuel. En général, ils ne la mettent pas dans la caisse, ils la mettent dans la poche, la pièce. Voilà. Et puis, en plus, si on arrive à un effondrement, par exemple, des bank runs, si nos banques ferment et il n'y a plus de cash, imaginez ceux qui auront des pièces d'argent. Les fameuses semeuses qu'on a tous connues. Oui. Et imaginez ceux qui ont de l'argent. Si vous allez voir votre boulanger ou votre agriculteur qui vend des poulets, il y a plus de chances qu'ils vous acceptent de l'or ou de l'argent que du cash. Et puis l'argent était la monnaie divisionnaire de l'or et la loi de Gresham s'appliquait. Oui, la mauvaise monnaie chassait la bonne et donc l'argent circulait. L'argent métal et la monnaie en argent, c'est pour ça qu'on parle de l'argent pour désigner la monnaie. C'est ça, c'est devenu courant. Et en plus, c'est ce que je dis, c'est dans notre vocable. Après, pour sortir des vœux pieux, en fait, c'est totalement possible d'imposer un narratif, parce qu'en fait, on est dans un système alchimique, il faut se battre. On a beaucoup imposé le narratif du retour au franc, Frexit, article 50. Vous avez dit sans Frexit. Il n'y a pas besoin du Frexit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes souverain, vous n'avez pas besoin de demander à Madame Ursula von der Leyen, je veux sortir. Si vous êtes souverain, vous êtes la France. Vous faites une monnaie sur le cours légal, vous détruisez l'euro. Tous les pays disent, c'est ce que j'en parle dans le livre, c'est ce que l'Italie a fait avec les mini-bottes. Alberto Banai et Claudio Borghi, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec les mini-bottes. Draghi, Mario Draghi a eu peur tout de suite, puisqu'en réalité, c'est la réaffirmation de la souveraineté monétaire. Ça, ça se fait du jour au lendemain. Ces mini-bottes, c'est des bons du trésor qui sont monétisés. C'est ça. Ils peuvent circuler. Et qui, à terme, pouvaient se transformer en billets. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est totalement possible. Et c'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que le système, derrière son apparente complexité, comme c'est quelque chose de virtuel, il suffit de remettre un peu de réalité dans le système pour l'écrouler à notre avantage. Alors je ne dis pas que ce sera les heures joyeuses, mais il y a une différence entre l'asservissement généralisé et le contrôle des populations et des heures dures comme l'ont connu nos grands-parents. Après 1945, l'état de la France n'était pas des villes bombardées, il fallait reconstruire le pays et le général de Gaulle, lui, avait d'ailleurs nationalisé la Banque Centrale, enfin qui avait été nationalisée en 36 sous le Front populaire, mais c'était une fausse nationalisation. Oui, j'en parle dans mon premier livre. Le gouverneur général était nommé par l'État, mais le capital restait en partie privé. Bon, vous avez tout dit. Donc, si nous, on arrive à faire ça, en fait, on peut s'en sortir. Et nous, la France, on a encore cette capacité-là, et c'est pour ça que le système, entre guillemets, nous veut du mal, puisque dans notre histoire, nous avons toujours utilisé l'outil monétaire comme un outil politique et un outil
de souveraineté, je ne veux pas dire féroce, mais Napoléon Bonaparte, c'est l'épopée napoléonienne, c'est le franc germinal. Saint-Louis, le roi très chrétien... C'est le franc, c'est le bimétalliste de Saint-Louis quand il revient des croisades. Et la commune, la monnaie de Paris. Oui, mais c'est un peu plus compliqué. Ah oui, mais la commune ne s'est jamais emparée de l'or, on l'a empêché, oui. Des réserves de la Banque de France. Mais fondamentalement, oui, c'est cette question qui est centrale. Et pour réaffirmer notre souveraineté, la première question, c'est la souveraineté monétaire. Oui, mais la souveraineté quant à un retour à la souveraineté française, les juristes d'en face, ils vont vous dire, ah ben oui, mais la hiérarchie des droits place les traités européens au sommet de la pyramide. Quelle scène, oui. Mais en fait, les traités européens, on s'assitue. En fait, c'est le droit, ça n'existe pas. C'est une volonté. Le droit, c'est. C'est pas une prison, c'est nous qui le faisons. Le droit, c'est dans notre tête. Ouais. Si vous souhaitez vous soumettre à telle convention de Genève, vous s'y mettez. Vous s'y soumettez. Mais si vous ne le souhaitez pas vous soumettre, et en fait, je vous le dis, on fait une nouvelle loi sur le cours légal, on ne va pas respecter le droit européen. Si, en réalité, puisque la Banque centrale nous dira, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais en fait, on les détruira, de fait, puisqu'on dira, ah bon? Ben, nous, on a l'euro et on a une autre monnaie. Et en fait, c'est les autres États derrière, nous suivrons. Et peut-être terminer cet entretien avec vous, Marc et Gabriel Draghi, en citant JP Morgan, le banquier qui disait « L'or est une monnaie, tout le reste est du crédit ». Qu'est-ce que cela vous évoque, ça ? Alors, ça m'évoque une citation complémentaire de Milton Friedman, le diabolique Milton Friedman qui a imposé le monétarisme au monde après, mais qui disait « L'argent métal est la monnaie la plus importante de l'histoire monétaire ». Et pour revenir à votre citation de JP Morgan, en fait, le problème actuel, c'est qu'on a trop de capital. C'est-à-dire il y a eu un excès de création monétaire. Donc, pour revenir à une économie du réel… – Basée sur l'or et l'argent. – Il faut avoir… un outil monétaire qui soit adapté et qui soit en moins grande quantité et qu'on ne peut pas créer de rien. Mais alors, c'est de la déflation. Alors, l'économie au standard or, oui, c'est potentiellement une économie déflationniste. Sauf que si vous l'adossez en complément avec l'argent métal, c'est déjà moins des économies en déflation. Et je vous dirais même, dans les systèmes monétaires antiques, que ça soit de l'autre côté de la Méditerranée ou chez nous, on avait soit le cuivre, soit en complément, soit le cuivre, soit le bronze. Donc, en fait, on a toujours la capacité qui sont des valeurs réelles, c'est-à-dire des valeurs intrinsèques. Et ça, fondamentalement, c'est la problématique du « oui, mais si nous n'avons pas le matériau, nous allons être freinés en termes de création de richesses », en réalité, c'est faux, puisqu'on pourra toujours adosser un métal précieux en complément qui nous permettra de créer avec un outil monétaire qui est en adéquation avec le réel. Voilà, et d'ailleurs, le bimétallisme ou le trimétallisme, c'est la monnaie de tous les empires dans l'histoire ou de toutes les grandes royautés. Voilà. – On ne pourrait pas faire des monnaies avec d'autres métaux, par exemple, je ne sais pas moi… – Le palladium ou le titane ou que sais-je encore. En fait, la monnaie, du moment… Alors, contrairement à ce que les bitcoiners disent, la monnaie, ce n'est pas seulement une convention. La monnaie, c'est un instrument de mesure, un moyen d'échange, on est d'accord ?– Un instrument de réserve de valeur. – Et ça doit être une réserve de valeur, c'est-à-dire avoir une valeur intrinsèque qui fait qu'on ne peut pas la créer à partir de rien. Et je parlais de l'alchimie, la création monétaire ex nihilo, je vais rendre hommage à Pierre Jovanovitch, j'avais cité un de ses passages du livre 666 dans mon premier livre, la monnaie de pierre, le Christ, quand il est à Capharnaüm, et je terminerai avec ça, quand il est à Capharnaüm et qu'on lui demande de payer le péage, il ne vous crée pas à partir de rien une monnaie, une pièce d'or ou une pièce d'argent. Il va demander à Pierre, justement, va pêcher un poisson, et dans ce poisson, il y aura un stataire et une pièce d'argent, pas d'or, qui n'est pas à l'inverse du demi-shekel juif qu'on utilisait au temple. Et Pierre ramène ce stataire d'argent et il paye le péage. Donc, à l'image du Christ, souvenons-nous que la meilleure façon de régler un problème, c'est l'argent métal. Et
comme on dit, pour tuer la bête, il faut une balle d'argent, et je pense qu'on arrivera à la tuer. Et c'est l'or des pauvres. Et c'est l'or des pauvres en plus. Magnifique conclusion que d'évoquer le Christ pour terminer cette émission. Merci à vous, Marie-Gabrielle Draghi. Je rappelle le titre de votre ouvrage que l'on pourra retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est la grande narration vers la mort des nations. Mais rien n'est terminé. On peut toujours relever la tête et espérer. Je peux finir justement avec une phrase des évangiles. C'est ne pas craindre, croire seulement. Donc l'agenda de la peur, c'est la foi. Voilà, contre l'agenda de la peur, c'est la foi. Voilà. Merci à vous, Olivier. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Au revoir.